revoir, Ergelinek. Je vais voir ce que je peux faire. Revenez me voir quand vous aurez retrouvé ma fille. Taxi ? Où allons-nous, madame ? À la gare, s'il vous plaît. Avec plaisir. Madame ? Bonjour. Elsbeth, je suis inquiète. Dites-moi ce qui vous tracasse. Le laisser-passer de Haber ne fera pas illusion. Nous aurons le temps de nous en inquiéter quand tout le reste sera prêt. Bien, je m'en vais. Bonjour. Je peux vous aider ? Je voudrais un billet pour... Le Berlin Rocket, je vous prie. Je ne peux pas prendre ça. Je serai accusée de vol et je finirai au poste. Je ne peux pas prendre ça. Je serai accusée de vol et je finirai au poste. Taxi ? C'est pour aller où, Fraulein ? Savez-vous où habite Fritz Haber ? Bien sûr. Vous ! Pardonnez-moi, je pensais trouver le docteur Haber. Je m'en doute. Mon mari est un homme intelligent, mais il ne peut rien me cacher, espèce de garce. Pardon ? Si vous croyez que je ne sais pas ce que vous faites dans mon dos, vous vous trompez. Vous vous méprenez, Frau Haber. Je ne suis pas idiote. La police se moque bien du mariage. L'adultère n'est pas considéré comme un crime. Alors je vais vous dénoncer pour espionnage. Prise la main dans le sac. Ça va vous coûter cher. Elle m'a enfermée. La police allemande va arriver. Il faut que je sorte de là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Haber avait commencé à écrire quelque chose. Cher Mata. Oups. Il y a un bac à cendres ici. Du petit bois, c'est un bon début.
Des allumettes. Je ne savais pas que Haber fumait. Du nitrate de cuivre. Je me demande ce que ça fait. Voilà de quoi faire un joli feu. Marie serait fière de moi. Ah ! Au feu ! De la fumée ! Et quelle couleur étrange. Qui hésiterait à se porter au secours d'une demoiselle en détresse ? Mes livres, mes notes. Mata, que faites-vous ici? Je suis désolée d'avoir mis votre femme en colère. Elle s'est imaginé le pire et elle m'a enfermée. Clara, il va falloir que je lui parle. Je ne peux pas prendre ça. Je serai accusée de vol et je finirai au poste. Taxi ? C'est pour aller où, Fraulein ? Savez-vous où habite Fritz Haber ? Bien sûr. Docteur Haber ? Bonjour. Vous êtes la danseuse hollandaise, n'est-ce pas ? J'ai mené ma petite enquête. J'espère que vous réfléchirez à tout cela, docteur. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Taxi ? C'est pour aller où, Fraulein ? À la gare, s'il vous plaît. Avec plaisir.
Bonjour. Destination ? Je voudrais un billet pour... le Paris Express, je vous prie. Excusez-moi. Que puis-je pour vous? La scène est prête. Que s'est-il passé? C'était affligeant. Je ne sais pas. Je dois manquer d'entraînement. Eh bien, allez dormir. Vous réessayerez demain. Vous avez une minute? Vous ici? La scène est prête. Vous les avez envoûtés! Les caisses sont pleines! Merci, Gabriel.
Taxi ? Où allons-nous, madame ? Au commissariat, s'il vous plaît. Alors, en route ! Laissez-moi voir Oscar. C'est entendu, ma chère. Je voudrais voir Monsieur Sansonnet, s'il vous plaît. Allez-y, vous connaissez le chemin. Vous permettez ? Vous avez tout ? Non, pas encore. Je voulais juste vous voir. Ne perdez pas votre temps avec moi. Je survivrai. Vous devriez vous mettre au travail. Où vais-je pouvoir trouver une limousine, Oscar ? Bonne question. Pourquoi ne pas demander à Monsieur Jelinek ? Je crois qu'il réside toujours à Monaco. C'est un féru d'automobile. Pour mettre sa ligne sur écoute, il me faudrait un équipement adéquat. Comment faire ? Il vous faut un écouteur téléphonique. Vous aurez peut-être l'occasion d'en trouver un au cours de vos voyages. Un peu de vandalisme n'a jamais tué personne. Taxi ? Où allons-nous, madame ? À la gare, s'il vous plaît. Alors en route. Bonjour. Quelle destination ? Je voudrais un billet pour... le Paris Express, je vous prie. Vous permettez ? Bonjour. La scène est prête. Vous les avez envoûtés ! Les caisses sont pleines ! J'en suis heureuse. Épuisée, mais heureuse. Taxi ? Où allons-nous, madame ?
Gare du Nord, je vous prie. Entendu. Bonjour. Destination ? Je voudrais un billet pour... le Berlin Rocket, je vous prie. Un boîtier, sans doute pour régler l'horloge. Je ne peux pas prendre ça. Je serai accusée de vol et je finirai au poste. Taxi ? C'est pour aller où, Fraulein ? Savez-vous où habite Fritz Haber ? Bien sûr. Vous ! Pardonnez-moi, je pensais trouver le docteur Haber. Je m'en doute, mon mari est un homme intelligent, mais il ne peut rien me cacher, espèce de garce. Pardon ? Si vous croyez que je ne sais pas ce que vous faites dans mon dos, vous vous trompez. Vous vous méprenez, Frau Haber. Je ne suis pas idiote. La police se moque bien du mariage. L'adultère n'est pas considéré comme un crime. Alors je vais vous dénoncer pour espionnage. Prise la main dans le sac ! Ça va vous coûter cher. Elle m'a enfermée. La police allemande va arriver. Il faut que je sorte de là. Des allumettes. Je ne savais pas que Haber fumait. De cuivre. Je me demande ce que ça fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Haber avait commencé à écrire quelque chose. Cher Mata. Oups. Non, mieux vaut être prudente ici. Il y a un bac à cendres ici. Du petit bois, c'est un bon début. Voilà de quoi faire un joli feu. Marie serait fière de moi. Quelle couleur étrange. Qui hésiterait à se porter au secours d'une demoiselle en détresse ?
Mes livres, mes notes. Mata, que faites-vous ici? Je suis désolée d'avoir mis votre femme en colère. Elle s'est imaginé le pire et elle m'a enfermée. Clara, il va falloir que je lui parle. Je ne peux pas prendre ça. Je serai accusée de vol et je finirai au poste. Taxi ? C'est pour aller où, Fraulein ? À la gare, s'il vous plaît. Alors en route ! Un téléphone public et un panneau. Hors service. Bonjour. Quelle destination ? Je voudrais un billet pour... Le Monaco rapide, je vous prie. Pardonnez-moi. Bonjour. Elsbeth, je suis inquiète. Que se passe-t-il? Le laisser-passer de Haber ne fera pas illusion. Nous aurons le temps de nous en inquiéter quand tout le reste sera prêt. Vous verrez, on s'en sortira. Au revoir, Herr Jelinek. Je vais voir ce que je peux faire. Revenez me voir quand vous... Au revoir, Herr Jelinek. Je vais voir ce que je peux faire. Revenez me voir quand vous aurez retrouvé ma fille. À vendre.
taxi? Où allons-nous, madame? À la gare, s'il vous plaît. Alors en route. Bonjour. Quelle ville, je vous prie? Je voudrais un billet pour... Le Paris Express, je vous prie. Taxi? Où allons-nous, madame? Chez Monsieur Malbec, je vous prie. Alors, en route! Taxi? Où allons-nous, madame? Au commissariat, s'il vous plaît. Entendu! Ma machine à décoder. Je voudrais voir Monsieur Sansonnet, s'il vous plaît. Allez-y, vous connaissez le chemin. Je risque de me salir. Il me faut une tenue appropriée. Voilà des vieux vêtements. Voilà des vieux vêtements. Je risque de me salir. Il me faut une tenue appropriée. Bonjour. Vous avez tout? Non, pas encore. Je voulais juste vous voir. Ne perdez pas votre temps avec moi. Je survivrai. Vous devriez vous mettre au travail. Je ne sais pas. Non, vraiment, c'est compliqué. Taxi? Où allons-nous, madame? Au laboratoire de Marie Curie, je vous prie. À votre service, madame! Madame? Bonne chance, Mata.